J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver comme toujours dans une nouvelle vidéo. Je vous avais parlé au mois de mars, je pense, que je voulais vous faire une vidéo. J'avais envie de comparer tous les crayons pastels qu'on peut trouver. Bon, je les ai pas toutes, bien sûr. Hein. Je sais qu'il y a les Marco Square, je pense, qui font des crayons pastels. Il y en a plein d'autres, mais bon, j'ai sorti ceux que j'ai fouillé dans mes gammes pour trouver ce qu'on avait en crayon pastel dans les gammes qu'on a déjà. Et aussi, j'ai pris mes gammes qui sont conçues que pour ça. Donc, on a les Castellart 48 Pastel Teinte. On les connaît, hein, on les a vus tellement tourner quand ils ont sorti. Donc, celui-là, il est vraiment que sur les crayons pastels. Hein, c'est pas mélangé dans une autre gamme. C'est que ça. Donc, je vous montre. Toum, toum, toum. Voilà. Donc, on va les regarder ensemble. On va les tester sur les papiers. On va regarder lesquels sont mieux, lesquels sont gras, lesquels sont secs. Donc, on va regarder ça ensemble. C'est un peu le but de cette vidéo-là. Et je sais qu'il y avait plusieurs abonnés qui avaient envie que je fasse cette vidéo-là parce que ils se demandaient vers où se tourner s'ils voulaient se procurer des crayons pastels. Avant, on n'avait que les Holbein qui en offraient. Bon, je sais que Marco Square, par exemple, ça fait quand même un bout, mais tous les crayons pastels qu'on voulait, c'était les Holbein. Et bon, on sait que les Holbein, c'est difficile à se procurer, mais bon, je vous les montre parce que je les ai. Donc, on a, là, vous entendez mon petit chien parce que je l'ai emmené avec moi dans le sous-sol. Donc là, il fait ses petites niaiseries. Bon, ma fille va s'en occuper, donc on va être correct. Ouais, voilà. Donc, voilà. Alors, les Holbein, vous en avez 50. Par contre, ils sont difficiles à se procurer. Moi, je les avais achetés sur Amazon Japon. J'avais pris la gamme de 150 couleurs. Donc, j'avais les 50 pastels qui venaient avec. Donc, on va les regarder ceux-là aussi. Mais, si vous avez envie de vous offrir des Holbein et que vous trouvez ça un peu trop cher et difficile à se procurer, il y a les Brut Fineur. Bon, je fais du bruit. Les Brut Fineur qui sont offerts aussi en 50 couleurs. Et je vous dis, c'est la même chose que les Holbein. Un peu moins gras, mais les couleurs sont pratiquement pareilles. Et je vous avais déjà fait... Bon, ça commence ici. Et on a tout ça de Brut Fineur pastel. Ceux-là, moi, je les avais commandés sur AliExpress. Ils ne sont pas encore sur Amazon Canada. Je ne les ai pas vus. Attendez, je pense que je dis des bêtises. Bon, je pense qu'ils sont sur Amazon Canada. Oui, ils sont sur Amazon Canada parce que je les ai vus. Je vous les mettrai en barre d'infos. Je vais essayer de vous les trouver. Mais sinon, vous pouvez vous les procurer sur AliExpress. Et vraiment, ils sont pas chers. Et je vous dis, même couleur que les Holbein. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas le même niveau. Comment je pourrais dire? C'est pas la même qualité de crayon, c'est certain. Mais niveau couleur, c'est pareil. Donc ça, c'est génial. Et moi, j'aimerais trop qu'ils nous sortent... le reste de la gamme, si, admettons, c'est la même... Ben, parce que, comme je vous dis, c'est les mêmes couleurs que les Holbein, mais s'ils nous feraient le reste des autres couleurs, les 100 autres couleurs des Holbein, ça serait trop cool qu'ils nous fassent ça dans les Brut Fineur. On sait jamais. Ça va être à suivre. Donc, on a ceux-là. Sinon, j'ai fouillé dans mes gammes. Et là, je me suis dit, c'est sûr qu'on a des couleurs pastel dans nos gammes. Donc, dans les collines, là, je vous montre, il y a ceux... Tout ça de pastel dans les crayons collines. Ça, c'est une gamme de crayons qui est offerte en 120 couleurs, que vous pouvez trouver aussi sur Amazon. Moi, je les avais commandés sur Amazon Japon parce que au moment où je les voulais, ils n'étaient pas sur Amazon Canada. Mais maintenant, ils sont disponibles, donc je vous les mettrai aussi en barre d'infos. J'essaierai de vous mettre tout ce dont je vous parle en barre d'infos. S'il y a quelque chose que vous ne trouvez pas, c'est que je ne l'ai pas trouvé. Donc, on a les collines qui ont quand même une bonne gamme de pastels. Par contre, vous ne pouvez pas les acheter tout seul. Ça va être dans la boîte de 120 que vous allez retrouver ces couleurs-là. Mais regardez, on en a quand même pas mal. On va les toutes tester ça ensemble tout à l'heure. Là, on va toutes les regarder, ceux qu'on a, et après, on teste. Ensuite, j'ai fouillé dans mes boîtes de Black Widow. Il n'y en a pas une tonne, mais on a quelques couleurs pastel. Par contre, là, prenez en considération que j'ai toutes les boîtes de Black Widow. Parce que, bon, vous voyez, j'en ai qui viennent de la boîte Monarch, j'en ai de la boîte Skin. Dans les Monarchs, par exemple, c'est là que j'en ai trouvé le plus. Encore les Skin, il y en a deux dans les Dragons et un dans les
Serpent. Donc, si vous avez toutes les boîtes de Black Widow, vous allez pouvoir retrouver ces couleurs-là qui seraient des couleurs pastel. Ensuite, dans les marqueurs, vous savez que je les ai présentés il n'y a pas si longtemps. Et, chose intéressante, nous avons beaucoup de couleurs pastel dans les marqueurs. Donc, ben, ça, c'est le fun parce que c'est rare que dans une gamme de 120, on a autant de couleurs pastel. Donc, ça aussi, on va les regarder ensemble par la suite. Sinon, on a aussi les Staedtler qui font une gamme qu'on peut acheter juste en crayon pastel. Donc, ça va être écrit juste Staedtler dessus. Et je pense que c'est 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais. Vous avez 12 couleurs pastel qui sont offertes dans la gamme Staedtler. Et ben, dans la gamme Staedtler. Vous pouvez acheter ce pack de 12-là juste en pastel. Voilà, j'arrive pas à parler. Donc ça aussi, je vous les mettrai en barre d'infos et ils sont vraiment intéressants. On va les regarder ensemble. Ensuite, dans les Prismacolor premiers, la boîte de 150, on en a quelques-uns aussi qui sont quelques couleurs pastel, mais bon, un peu moins intéressants que ceux que je vous ai présentés avant. Ensuite, dans les Luminances, j'en ai trouvé quelques-uns, pas énormément, mais on a quelques petites teintes un peu pastel. Et dans les Brut Fineur carrés, j'en ai trouvé beaucoup, comme vous pouvez voir, on a quand même une bonne petite partie qu'on a des couleurs pastel dedans. Donc, les Brut Fineur carrés, on n'en entend pas souvent parler, pourtant ils sont super ces crayons-là, c'est une gamme de 120. Vous pouvez pas acheter juste des pastels, hein, mais dans la gamme de 120, vous allez avoir tout ça qui sont des couleurs pastel. Et peut-être que j'en ai oublié. Hein? J'ai fait le tour de mes trousses rapidement. Peut-être qu'il y a d'autres gammes aussi où est-ce qu'on peut trouver des couleurs pastel que je n'ai pas pensé regarder. Si vous en avez trouvé, vous, beaucoup comme ça dans vos gammes, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça va me faire plaisir de lire ça. Donc, on va commencer tout de suite avec ben, les premiers, hein, ceux qu'on connaît le plus, les Holbein. Donc là, j'ai pris mon petit pad de Castellarte et on va faire des petites pièces ensemble. Donc, on va regarder les Holbein. On va se faire quelques petits swatchs. Bon, là, les Holbein, hein, c'est du beurre. Ça glisse tout seul sur le papier. C'est un vrai charme à utiliser. Gros crayon avec un numéro, écriture dorée. Vous allez avoir un petit numéro au bout. Vraiment, moi, j'ai pas grand-chose à dire sur ces crayons-là, à part qu'ils sont chers. Ils sont difficiles à trouver. Et là, ben, moi, là, 2 mois, parce que je commence à avoir des Holbein qui sont petits, je voulais me procurer une autre boîte de 150 et ben, je sais pas pourquoi. J'avais commandé ma boîte la première fois sur Amazon Japon et là, ils me disent qu'ils ne peuvent pas livrer à où est-ce que j'habite. Donc là, j'étais un peu dégoûtée. Donc, de moins en moins, je prends mes Holbein, j'essaie de les conserver. Donc, je vous fais des petits swatchs comme ça pour que vous puissiez voir un petit peu les couleurs qu'on retrouve dans la gamme pastel de Holbein. Si jamais vous savez où est-ce qu'on peut vous les procurer ailleurs que sur Amazon Japon, dites-moi. Je sais qu'on me l'a déjà dit, mais je me rappelle plus. Avec ma mémoire légendaire, je m'en souviens pas. Donc là, je vous fais quelques petites couleurs pour qu'on puisse comparer après. Hein. Je vais essayer de prendre à peu près les mêmes teintes pour qu'on voit lesquelles nous offrent les meilleures teintes pastel. Parce que des fois, hein, les crayons, ils nous disent « Ah, couleur pastel, mais c'est pas toujours vrai. » Des fois, c'est pas tout le temps vraiment pastel. Donc, on va se faire quelques trucs comme ça. J'espère que ça va être une vidéo qui va vous plaire, mais moi, j'avais envie de voir ça, de faire le tour un peu de toutes les couleurs pastels que j'avais et de voir, bon, c'est quoi les différences entre chacune. Est-ce que ça vaut la peine aussi d'en avoir plusieurs ou pas? Ou juste une gamme, c'est assez? Donc, ben, je pense que ça peut être le fun. Donc, les Holbein, hein, on peut pas se tromper. C'est vraiment des super crayons. Super beau, se mélange tout seul. Et là, ben, je vais vous faire un petit dégradé, tiens, pourquoi pas. Ça va être une vidéo longue, les amis, mais vous êtes habitués, prenez-vous un petit café. On prend ça relax. Donc, je vais commencer par lui. Je vais faire le petit dégradé ici parce que je pense que ça va être le fun de voir, bon, ceux qui se dégradent bien ensemble. Pas toujours facile, par contre, de faire un colo tout aux couleurs pastel, mais bon, ça se fait. Et puis, ça donne un beau rendu aussi. Donc, on va le mélanger avec. Ça, les Holbein, ça se mélange tout seul.
Vraiment, c'est un vrai charme. Et là, je ne sais pas si je vais vous dire aussi, bon, je sais que les Holbein, c'est à base d'huile, mais je ne sais pas pour tous les crayons. Je vais vous dire pour ceux que je sais. Si je vous dis pas, c'est que je ne sais pas. Je sais que les Holbein sont à base d'huile. Donc, vous voyez, hein, ça se mélange tout seul. Vraiment, c'est super. Donc, voilà pour ceux-là. Donc, est-ce qu'on les écrit? On pourrait les écrire, pourquoi pas? Holbein. Donc, ça, c'est vraiment pastel. Ensuite, on va regarder les bruts fineurs carrés, parce que je trouvais qu'il y en avait quand même pas mal dedans. Donc, bruts fineurs carrés ici, qui sont offerts en gamme de 120 couleurs. On va écrire les Holbein ici. Vous avez, bon, vous pouvez acheter juste la boîte de 50, donc 50 pastels. Mais vous pouvez aussi vous offrir la boîte de 150 qui a les pastels dedans. Donc, voilà. Là, on va regarder les bruts fineurs carrés dans les couleurs que j'ai pu trouver. Les bruts fineurs carrés, par contre, vous ne pouvez pas acheter juste des pastels. Ça va être vraiment dans la boîte de 120 que vous allez les retrouver. Donc là, si on regarde les roses, hein, même, bon, je sais que dans les Holbein, par contre, on a un rose un peu plus pâle, là. C'est juste que je ne l'ai pas mis sur la feuille. Est-ce que je vous le mets, tant qu'à faire? On va le mettre ici. Ah, ben oui, je l'avais mis. Mais il me semble qu'il y en a un plus pâle. Attendez, on va regarder. Est-ce qu'il y en a un plus pâle? Celui-là, peut-être. Non, vous voyez, on n'a même pas les mêmes teintes. Donc, ça, c'est le fun. Donc, ouais, lui, vraiment un beau petit rose bébé, un petit rose pastel. On va regarder lui. Et là, ben, les bruts fineurs carrés aussi. Vous allez avoir une écriture, par contre, qui est asiatique, mais vous avez quand même un numéro. Donc, ça, c'est bien. Un peu difficile à aiguiser, par contre, je trouve, parce qu'ils sont vraiment carrés, carrés. Hein. Regardez, c'est un crayon vraiment carré. Mais ils sont quand même pas chers. Puis moi, je les adore. Je trouve qu'ils sont bien pigmentés, sont bien gras. Ils se mélangent bien entre eux, ces crayons-là. Puis même la gamme, là, bon, là, je vous montre que les couleurs pastel, hein, mais la gamme de 120 est super intéressante. Bon, là, moi, je me suis fié au crayon, mais bon, ça se ressemble un peu. Et là, lui, ben, j'ai presque plus de mine. Mais voyez, hein, on a quand même des belles couleurs qui font pastel. Bon, là, dans les Holbein, je n'avais pas testé ces ceux-là, mais bon, on a un beau petit mauve. Regardez comme ils sont bien intenses pour des crayons pas trop chers. Je trouve ceux qui sont bien intéressants. Et moi, j'ai plus les autres bruts fineurs, là, les 180, je veux me les racheter. Mais depuis une couple de temps, ils sont jamais disponibles sur Amazon Canada, donc parce que je les avais offerts à une amie qui les voulait. Mais bon, aussitôt qu'ils vont revenir, je devrais me les recommander, les 180. Donc ça, c'est dans la gamme de 120 couleurs dans les bruts funeurs. Brut, j'écris tellement bien. Funeurs carré. Donc, hey, je vais vous écrire aussi. Ça, on peut trouver ça sur Amazon Canada. Et ben, les Holbein, moi, je connais juste Amazon Japon. Si vous avez un autre site où les commander, dites-moi, ça m'intéresse. Mais bon, des fois, on nous donne des sites, mais ça dépend, hein? Ça livre pas toujours au Québec, c'est ça qui arrive. Donc là, on va regarder les Staedtler 12 couleurs que vous pouvez acheter les 12 comme ça. Et c'est un set de pastels. Donc, on va les mettre sur notre petit papier. Bon, ça, je trouve pas que c'est tant pastel que ça, hein. Ça va être un jaune quand même assez jaune poussin. Puis en plus, ils vont super bien, hein, ces crayons-là, là, les Staedtler. Moi, je les aime beaucoup. J'aime pas trop la gamme Staedtler, mais la gamme de pastel, je sais pas si elle est différente de leur gamme habituelle, mais je trouve qu'ils sont gras aussi. Ils sont pas secs. Parce que moi, dans mes souvenirs, les crayons Staedtler sont quand même assez secs. Et là, ben ça, je peux pas vous dire sa base d'huile, sa base de cire, j'en ai aucune espèce d'idée. On a un blanc aussi dans les 12 couleurs. Mais ouais, je les trouve beaux, puis je les trouve le fun à utiliser. Ils sont pas secs, ils se mélangent bien aussi. Et là, j'ai même pas fait mon dégradé ici. Je vais vous en faire un après. Ça, c'est pas vraiment pastel. C'est ça que je vous dis aussi. Dans les gammes, des fois, faut faire attention parce que des fois, ils nous disent, ah, couleur pastel, puis c'est pas vraiment pastel. Ça, on a un orange qui est un peu plus foncé que ça serait supposé pour une couleur pastel. On a lui, quand même, qui est intéressant. On a un genre de petit vert. Plus pigmenté que celui des bruts fineurs carrés. Un bleu.
Le bleu classique. Je pense qu'on l'a dans toutes les gammes, ce bleu-là, mais c'est un bleu pastel. Et on a un genre de corail. Et dans les Holbein aussi, on en a une genre de couleur comme ça. Donc ça, c'était de l'heure. C'était de l'heure. 12 couleurs. Et ça, vous pouvez l'acheter comme ça. Et d'après moi, on peut les trouver sur Amazon. Moi, c'est ma marraine qui me les avait envoyés, ceux-là. Et vraiment, je les aime beaucoup. C'est des bons crayons, bonne alternative si vous avez envie d'avoir une petite gamme de crayons pastel. Ensuite, on va regarder dans les collines, parce que dans les collines, vous en avez beaucoup. Donc là, je vais juste changer de page. On va la mettre de côté. On va tout comparer après. Donc, on va écrire, on va faire nos swatchs, on va l'écrire après. J'ai l'air perdu, hein, mais je sais ce que je fais. J'essaie de pas trop m'éterniser non plus sur chacune des gammes pour que ben, on ait le temps quand même. Que la vidéo ne dure pas 2 heures. Voilà. Ça, c'est pas vraiment pastel. Je trouve que c'est un peu fluorescent. Il y en a d'autres ici, mais quand on regarde le crayon, on dirait que ça va être pastel, mais les collines, je vous conseille, si jamais vous voulez vous les procurer, de faire le nuancé parce qu'elles ne sont pas extrêmement fidèles à ce qu'on voit sur le crayon. Ça aussi, dans les Holbein, on en a un qui ressemble à ça. Donc, c'est sûr que dans les Brut Funeur, on en a un aussi. Ça, c'est pas vraiment pastel, un peu trop flash. Les genres de petits gris froids, ils les mettent dans les couleurs pastel. On a le beau petit bleu comme ça. Il est vraiment beau, lui, je trouve. Si vous regardez celui des Staedtler, je trouve que lui est beaucoup plus pastel dans les collines. Et même ceux-là, les Brut Funeur carrés. Bon, dans les Holbein, c'est sûr qu'on veut le retrouver, le petit bleu, mais regardez, c'est pas la même teinte. Donc ça, c'est fun. Ensuite, on a un genre de turquoise. Un petit rose comme ça. Ça aussi, dans les Holbein, vous allez en avoir un. Dans les Brut Funeur 50, pastel aussi. Et le fameux petit rose bébé. Donc, ça, c'est pour ce que j'ai trouvé dans les collines qu'on a de couleur pastel. Donc, collines. Et ça va être dans la gamme de 120 parce que vous ne pouvez pas acheter que des pastels. Et vous pouvez les trouver sur Amazon Canada aussi. Et là, je n'ai pas fait aucun dégradé. On le fera après. Ensuite, dans les marques cartes que je vous ai présentées dernièrement, regardez tout ce que j'ai trouvé. Vraiment, moi, j'adore ces crayons-là. Je ne suis vraiment pas déçue de mon achat. Une petite chose que je suis déçue, c'est que moi, quand je les ai achetés, ils étaient vraiment plus chers que présentement. Là, ils sont en spécial. Je ne sais pas si ça va durer longtemps. Au moment où je vous parle, hein, aujourd'hui, on est le 16 avril. Merci à ma petite assistante. On est le 16 avril et je sais que ma copine Mélissa se les a commandés. Puis elle a payé, il me semble qu'elle m'a dit qu'il était 65 $. Donc vraiment, ça vaut la peine. Peut-être un peu moins cher, je sais pas. Je me rappelle plus. Mais je sais que ça dépassait vraiment pas 100 $. Et moi, quand j'avais acheté mes marque-cartes, je les avais payées 100 $. Donc, je les avais achetés au mois de février. Donc, ça fait. Non, même pas au mois de janvier. Donc, ça fait quand même un bout. Mais regardez-moi tout ce qu'on a en couleur pastel dans les marque-cartes. Vraiment, c'est rare pour une gamme de 120 d'avoir autant de couleurs. Ben, regardez dans les collines quand même aussi. C'est une gamme de 120 et on en a pas mal. Mais bon, vous allez voir, comparé au Prismacolor premier qu'on a 150 couleurs, j'en ai pas trouvé beaucoup des couleurs pastel. Donc, ceux-là, c'est les marque art. 120 couleurs et vous pouvez pas acheter que les pastels. Et là, je sais, les amis, tout le monde m'a dit que les marque-cartes, c'était la même chose que les Nihonis. Donc, probablement que dans les Nihonis, vous avez des couleurs pastels. Mais moi, je ne les ai pas, ces crayons-là. Donc, je peux pas vous le dire. Et ben, je pense pas les commander. Je l'avais mis dans ma liste de souhaits, mais je pense pas les prendre, étant donné que tout le monde m'a dit que c'était la même chose que les marque-cartes. Donc, je vois pas l'intérêt. OK, j'ai l'impression de parler à troisième vitesse. Ensuite, dans les Prismacolor, 150 couleurs, j'ai trouvé quelques couleurs pastel. Donc, on a celle-ci. On a bien sûr le gris froid. Hein, je le rentre dans les couleurs pastel. On a celle-là. Mais je m'attendais à en trouver plus que ça quand j'ai regardé dedans. Cette couleur-là, on l'a dans les Holbein aussi. Le fameux rose. Et le petit bleu.
Un genre de bleu mauve aussi qui peut faire bien pastel. Et le fameux crème que j'utilise tout le temps, hein, je pense que vous avez remarqué. Donc voilà pour les Prismacolor premiers 150 couleurs. Vous ne pouvez pas acheter que des pastels. Donc on va l'écrire. Voilà, on enlève la feuille. Je pense que je vais les garder, ces trucs-là. Ensuite, dans l'illuminance, comme je vous ai dit, j'ai fouillé un petit peu. Je les ai pas tous. Oui, je les ai tous. Qu'est-ce que je raconte? Je suis mélangée avec mes Lightfast. Les Lightfast, je les ai pas toutes, mais les Luminances, oui, j'ai les 100. Donc, je pense qu'il y avait que ça. Peut-être que j'en ai oublié quelques-uns. Ça se peut. Mais, d'après ce que j'ai pu voir, j'ai trouvé ça. Donc... Et ça, ben moi, les Luminances, c'est mes chouchous, mes crayons, mes deuxièmes crayons préférés. Parce que mes préférés, je dirais que c'est les Lightfast. Mais vraiment, les Luminances, je les adore. C'est partie des crayons que j'utilise pratiquement tout le temps. Mélangé avec Prismacolor et Lightfast, je trouve qu'ils se complètent super bien. D'ailleurs, je les ai toutes mis dans la même trousse, les trois. Donc, Luminance, et là, dans les Luminance, vous allez avoir 76 couleurs, et ils ont sorti une gamme de 20, et je sais qu'ils ont une autre gamme qui n'est pas 76, c'est un peu plus que ça, mais je me rappelle pas exactement, je pense que c'est 80, mais je suis pas certaine, donc je vais écrire comme ça, là, de ce que je connais. Et la boîte de 20, ben ça va être une boîte portrait, là, la façon qu'eux, ils l'ont écrit. Donc là, on va regarder les Black Widow, parce que j'en ai trouvé plusieurs, mais là, prenez en considération que c'est tout mélangé, tout boîte confondu. Donc, on en a beaucoup, par exemple, dans les Monarques. Dans les Dragons, j'ai trouvé celle-là. Les deux autres, c'était la boîte Monarque. Celui-là, c'est dans les Serpents. Un beau petit orange. On le trouve pas dans toutes les gammes, hein, comme vous allez pouvoir, là, si on regarde... Ben, non. Dans les Brutefineurs carrés, on l'a pas. Mais bon, dans les Staedtler, on les a. Prismacolor aussi. Marquardt. Bon, Colline, c'est sûr. Dans les Luminants, j'ai pas trouvé ce genre de orange-là. Et, eux aussi, hein, les Black Widow, c'est vraiment des super crayons. Moi, je les adore, ces crayons-là. J'utilise pas assez souvent, d'ailleurs. Et en plus, ben, étant donné que j'ai toutes les boîtes, ça me fait beaucoup, beaucoup de couleurs. Et là, ben, ils ont sorti aussi pour ceux qui, comme moi, ont les anciens, qui étaient serpents, scorpions, araignées. Il y avait des crayons qui étaient tout noirs. Donc, c'est pas toujours évident de se repérer quand on les met en trousse. Mais là, dernièrement, ils ont sorti des crayons pour scorpions, araignées et serpents qui ont des bouts comme ça. Mais par contre, ils sont très, très, très chers. Donc, moi, je vais attendre. Je vais terminer les miens. Et puis, je verrai au moment où est-ce que je devrais en recommander si je prends ceux avec les bouts de couleur ou si je continue avec ceux-là. Mais moi, serpent, scorpion, araignée, c'est ma copine Muriel qui me les avait offert à mon anniversaire. Je capotais quand j'avais ouvert le colis. Donc, ouais. Mais dans ce temps-là, il n'existait pas avec les bouts. Il était juste tout noir. Donc, Black Widow, on va écrire tout mélange. Parce que eux, vous ne pouvez pas acheter que des pastels. Et c'est toutes les boîtes mélangées. Et là, combien qu'il y a de Black Widow au complet, je sais pas. Il aurait fallu que je compte ça. Je l'écrirai d'ici la fin de la vidéo. Là, je vais me laisser une note pour ne pas l'oublier. Parce que moi, j'oublie tout. Donc, je vais écrire combien de couleurs dans les Black Widow. Je vais regarder ça tout à l'heure avant de terminer la vidéo. Donc, là, on a regardé ce qu'on avait en tant que... Bon, à part les Holbein que vous pouvez acheter la boîte de 50 pastels tout seul. Sinon, ben là, ça, c'est tout ce que j'ai trouvé dans nos gammes qu'on a déjà, dans le fond. Bon, je sais bien que c'est pas tout le monde qui a toutes les gammes, mais de ce que j'ai pu trouver. Là, on va regarder ceux qu'on peut acheter juste des pastels. Donc, les Brutefineurs, vraiment que j'adore. Moi, si j'avais eu les Brutefineurs, c'est sûr, j'avais vraiment envie d'avoir les Holbein, mais mettons que Holbein aurait fait juste des teintes pastels, et puis que j'aurais su que Brutefineurs en faisait et que c'était la même chose, j'aurais pas trop vu l'intérêt d'avoir les Holbein. Mais comme, bon, Holbein ont 150 couleurs, je m'étais dit, tant qu'à prendre les 100, on va prendre avec les pastels.
Mais bon, je vous le dis, là, c'est pareil. Brutruneur, même nuancier que les Holbein. Tiens, on va le mettre ici à côté. Vous allez pouvoir voir. Bon, j'ai pas pris les mêmes teintes, hein, mais regardez le rose, c'est la même chose. Si on regarde les deux roses ici, là, pareil. Donc, ouais. Vraiment intéressant, ces petits crayons-là. Moi, je suis pas déçue de ceux-là. Et même le design est pratiquement pareil. Donc là, je vous en fais quelques-uns. Ça, c'est les Brutfineurs 50 couleurs pastel qui, je pense, maintenant, sont disponibles sur Amazon Canada. Mais est-ce qu'ils viennent de la même place que quand on les commande sur AliExpress? Bonne question. Je pense que oui. Parce que moi, j'avais commandé les Phoenix Color qui étaient sur Amazon. Et ben, ils les offraient aussi sur AliExpress. Mais je m'étais dit, je vais les prendre sur Amazon, ça va aller plus vite. Parce qu'on sait bien que AliExpress, c'est quand même assez long de recevoir les choses. Mais non, je les ai commandées sur Amazon, mais ça venait de la même place que ceux de AliExpress. Donc, j'ai pas économisé de temps finalement. Mais bon, c'est quand même arrivé. Ça a quand même pas été si long que ça avant qu'il arrive. Ce que j'ai fait sur orange là, je pense pas. Donc, vous voyez, hein, on a vraiment des belles teintes dans les Brutfuneurs 50 couleurs. Ils glissent super bien sur le papier, ils sont pas secs du tout, se mélangent bien. Vraiment, moi, je n'ai rien de négatif à dire sur ces crayons-là. Et en plus, ils sont pas chers. Et vous avez une belle écriture dorée. Brutfuneurs décrit ici la couleur et le numéro. Donc, hein. Quoi demander de plus? Et c'était pas plus cher que 30 $, imaginez-vous donc, pour avoir 50 couleurs pastel. Donc ça, c'est génial. Ensuite, on a, et bien là, je vais l'écrire, hein? Brutfuneurs. Ils les appellent Brutfuneurs macarons. Et là, ça aussi, je pense que vous les connaissez déjà, hein, parce que on les a vus partout, ces crayons-là. Donc, on va changer de feuille. Je pense vraiment que je vais garder mes petites feuilles. Ça me donnait une idée de ce que j'ai en teinte pastel. Si jamais j'ai envie de me faire un colo que pastel. Donc, on a les Castellart Supply. Pas Castellart Supply. Castellart Pastel Teint qui ont fait 48 couleurs de couleurs pastel. Donc, eux aussi, ils sont géniaux. Et ils glissent bien sur le papier. Est-ce que je vais réussir à l'enlever de là? Bon, on va l'avoir. Ça aussi, c'est un cadeau que j'ai reçu d'une amie. Donc, vraiment, encore merci, les amis, hein, pour tous les cadeaux. Vous êtes des abonnés en or. Donc, on va les tester. Eux, un peu plus secs que les Brutfuneurs, je trouve. Mais bon, si vous avez les autres Castellart, c'est quand même pas mal fidèle ben, à leur crayon. Ben, pas que les Castellart sont secs, hein, c'est pas ce que je veux dire. En vrai, j'arrive pas à m'exprimer aujourd'hui, je veux parler trop vite. Je vais me relaxer, là. On prend son temps. Ouais, pas qu'ils sont secs, les Castellart, ils sont quand même assez gras, mais je trouve qu'ils sont moins gras que les Brutfuneurs. Bon, c'est ça que je voulais dire, tout simplement. J'ai juste voulu dire ça trop compliqué pour rien. Et ceux-là, vous allez avoir une belle écriture blanche avec le nom, le numéro. Ça a été écrit Castellart dessus. Vous avez le choix aussi de les avoir comme ça, dans une boîte métallique ou sinon, même, ils offrent aussi les 50 couleurs avec une trousse déjà. Parce que Castellart, ils font souvent ça. Ils offrent leur crayon déjà dans la trousse. Mais moi, j'aime pas trop les trousses de Castellart. Je les ai reçus en double. Hein. J'ai deux copines qui me les avaient offert. J'avais reçu la boîte de métal et la boîte avec la trousse. Bon, la trousse, je l'ai gardée, mais j'ai mis les crayons dans une autre trousse. Et puis j'ai mis mes stylos gel parce que j'ai eu aussi les stylos gel Castellart. Donc j'ai mis mes stylos gel dans la boîte de ceux-là et ceux-là, je les ai mis dans une autre trousse. Est-ce que c'est vraiment pertinent ce que je dis? Pas vraiment. Mais bon, hein, faut bien remplir l'espace. Bon, ça, là, je trouve pas que c'est vraiment pastel, moi. Le centre du pastel, c'est un petit peu plus pâle. Regardez comme ça aussi, là, je suis pas sûre. Mais dans les Brutfuneurs aussi, on a ce genre de teinte-là. Je sais pas pourquoi ils nous mettent des genres de couleurs fluo. Souvent, ça arrive dans les gammes de pastel, ils vont nous mettre des petites teintes comme ça. Est-ce que c'est eux autres qui considèrent vraiment que c'est pastel ou pas? Je sais pas. Donc, ça, c'est les pastel teintes. Je sais plus écrire. En plus, j'ai inversé des lettres. Bon, on n'est pas ici pour apprendre le français, hein, je vous le dis souvent.
Pastel, teinte, j'ai même pas mis mon L, on s'en fout. 48 couleurs, et ceux-là, vous pouvez vraiment les acheter que pour les pastels. Donc, si, même si vous n'avez pas les Castellarts, mais que vous avez envie d'avoir des couleurs pastels, ben, vous pouvez prendre cette gamme-là pour compléter vos autres gammes. Donc, par contre, les Castellarts 48 couleurs, quand ils ont sorti, c'était pas très cher, mais maintenant, ils ont grimpé leur prix, les Castellarts. Je sais pas pourquoi. Même chose pour les Castellarts Gold ou Castellarts Supply. Est-ce que c'est de la faute de nous, les YouTubeuses qui arrêtent pas d'en parler? Ils ont vu qu'ils en avaient vendu plein, puis là, ben, ils ont augmenté leur prix. Mais bon, ils sont quand même dispendieux, les Castellarts, mais par contre, de très, très bonne qualité. Moi, en tout cas, je les adore. J'ai pas grand-chose à dire dessus de négatif. Donc, voilà ce qu'on a à date en tant que couleur pastel. Vraiment, on est servi, là. On en a pas mal si on fait le tour dans nos gammes. Donc là, je vais vous faire des petits dégradés, hein, parce que je ne l'ai pas fait. Donc, on va se prendre ici, peut-être. On va commencer avec les bruts fineurs carrés. Et on va dégrader la couleur. On va commencer avec le petit rose. Comme ça vous donne une idée aussi de ben, comment il se travaille. Celui-là, un peu plus sec que les Castellarts, je trouve. Les bruts fineurs carrés. Mais quand même pas mal pigmenté. Et puis, je vous dis, le nuancier est beau dans les 120. Et là, ben, je vous montre toutes sortes de gammes comme ça où est-ce que j'ai trouvé des couleurs pastel, mais si jamais vous avez envie de voir une gamme plus en profondeur, je m'en sortirai pas. Plus en profondeur, dites-le moi et je ferai au pire un colo TS ou un speed colo sur une des gammes dont vous m'avez demandé que vous vouliez voir plus. Je vous montrerai nuancier, on fera des dégradés comme ça et je vous parlerai plus de ces gammes-là si jamais vous me le demandez, ça me fait plaisir. Donc voilà, ça c'est pour les bruts fineurs carrés, donc vous voyez, hein, ils se mélangent super bien et c'est pareil pour toute la gamme. Ensuite, les Staedtler, on va essayer de se faire un petit dégradé et là, ben, bien sûr que je les ai mélangés dans mes collines parce que je les ai toutes mis ensemble. Je vais devoir tout décortiquer ça après cette vidéo-là. OK, donc j'ai pas vraiment de place. Je vais le mettre derrière le Staedtler. On va prendre du vert. Celui-là aussi, super intéressant. Ils se mélangent bien, sont bien pigmentés. Et là, ben, celui-là, c'est juste 12 couleurs. Hein. Vous pouvez les acheter comme ça. Mais est-ce qu'on les retrouve dans la gamme de Staedtler? Ça, je sais pas parce que je ne l'ai pas. Donc, pour ceux qui ont les Staedtler, vous me direz si les pastels se retrouvent dans la grosse gamme de Staedtler, ou si vraiment il faut les acheter à part pour les avoir. Par contre, vous voyez, on dirait que des fois, ils écrivent pas. Je sais pas. J'ai de la difficulté, moi, avec cette gamme-là. Pas cette gamme-là, mais cette marque-là, Staedtler. À peu près juste l'aiguisoir de Staedtler que j'ai, mais bon, je les aime bien, moi, les Staedtler. Et là, j'avais un brut fineur qui s'était mélangé dedans. Et là, dites-moi pas que j'ai fait mon dégradé. Ben oui. J'ai fait ça. Je suis sûre que vous m'avez vu. J'ai dégradé mon Staedtler et mon brut fineur. Donc, vous voyez qu'ils se mélangent bien ensemble. On recommence. Sont pas ronds-ronds. Ils sont comme en octogone. Et ben, je l'ai mélangé avec les brut fineurs. Bravo, Zazou! Donc là, on est vraiment juste avec les Staedtler. On va y arriver. Ils se mélangent bien. Je devrais les mettre dans une... Parce qu'ils sont dans une trousse avec des crayons. Je n'utilise pas souvent, donc c'est rare que je pense à les prendre, les Staedtler pastels. Mais ils sont super bien. Vous voyez, ils se mélangent bien ensemble. Je serais curieuse. Peut-être que je devrais réessayer la grosse gamme de Staedtler. Je sais pas. Pardon, les amis, j'ai mes touffes. Donc là, hein, je les superpose. Vous voyez, ils se mélangent bien ensemble. Donc, ouais, vraiment une belle petite gamme. Et je suis certaine qu'ils sont pas chers. Encore, j'avais mélangé un crayon. Donc, 12 couleurs pastel pour les Staedtler. Je vais essayer de vous les trouver et vous les mettre en barre d'infos. OK, donc ça, c'est fait. Ensuite, on va... Bon, on a fini avec cette page-là. On va faire un petit dégradé avec les collines. Et ça, les collines, vraiment... Moi, j'adore ces crayons-là. Ils ont un beau nuancier, sont gras, se mélangent bien.
Regardez, on va essayer de mélanger un rose et un bleu. Donc, on va se mettre un petit peu de rose parce que là, quand on veut passer de deux teintes, le mélange n'est pas pareil. Donc, on va prendre le petit bleu. Je vais l'entrer dans mon rose. Il me semble qu'ils sont à base de cire, ceux-là. Je ne suis pas sûre. Moi, je suis toujours mélangée dans ça. Des fois, je vous dis que c'est à base de cire, mais c'est à base d'huile. Mais il me semble que c'est à base de cire, les collines. Vous me corrigerez en commentaire, au pire. Parce que là, j'ai pas toutes les boîtes. Moi, c'est tout rendu en trousse. Avant, je gardais toutes les boîtes. Mais quand j'ai descendu mon bureau au sous-sol, ben j'ai fait du ménage et certaines boîtes que j'ai pas gardées. Donc, vous voyez, hein, ils se mélangent quand même bien ensemble. J'arrive à faire un mélange des deux, du bleu et du rose. C'est un petit peu plus difficile parce que là, on passe vraiment de deux teintes complètement opposées. Mais ça me donne comme un genre de petit mauve dans le centre. Et j'arrive à faire quand même un beau dégradé. Et ben c'est pareil pour toute la gamme. Moi, je les utilise souvent, les collines. Hein. Vous voyez que j'ai des crayons qui commencent à être bien... ils ne sont pas petits, mais ils sont entamés un peu. Hein. Plus que d'autres que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, voilà pour les collines. Vraiment, belle gamme. Et puis, avec des belles couleurs pastel et pas cher en plus. Donc, voilà. Alors, ensuite, les Markart. Les Markart que j'adore avec leur belle boîte de léopard. Je vais y arriver, les amis. Il est temps que cette vidéo-là finisse. Et, je pense pas qu'elle est si tant longue que ça, mais c'est pas... J'arrive pas à parler aujourd'hui. Donc, là, je vais faire un petit dégradé. Je vais me mettre ici. Je vais prendre le rose et je vais tenter d'intégrer du orange dedans. Donc, et là, tout le monde me l'a dit aussi en commentaire que sur la boîte des Markart, ils étaient à base d'huile. Et moi, dans ma vidéo, j'avais dit qu'ils étaient à base de cire. Mais bon, j'avais pris mes informations sur Amazon. Et sur Amazon, ça disait que c'était à base de cire. Et là, tout le monde m'a dit, Zazu, regarde sur ta boîte, c'est écrit Oil Base. Donc, on va regarder parce que je l'ai gardée, cette boîte-là. Elle était trop belle. Je ne pouvais pas ne pas la garder. Donc, on va regarder ensemble et je pourrais vous dire si c'était à base d'huile ou à base de cire. Mais tout le monde disait que c'était à base d'huile. Bon, là, je fais un dégradé tout pourri, les amis. Vous êtes contents hein, de mon professionnalisme? Donc, on va rajouter un peu de rose. Mais quand même, regardez-moi ça, comme ça se mélange bien. Puis, j'ai fait ça vraiment vite fait. Là. Je ne me suis pas appliqué. Mais là, on va démystifier ce mystère. Est-ce que c'est à base d'huile ou à base de cire? Regardons sur la boîte. Moi, je dis cire. Toi, tu dis que c'est à base de cire? Toi, tu dis que c'est à base de cire. Je pense que c'est à base d'huile parce que tout le monde me l'a dit. OK. Oi! Professionnel Oil Colored Pencil. Ils sont à base d'huile. Et je vous l'avais dit hein, dans la vidéo que je trouvais ça bizarre que sur Amazon, ça l'écrivait à base de cire parce que d'après le ressenti que j'avais avec les crayons, j'avais vraiment l'impression que c'était des crayons à base d'huile. Mais comme c'était écrit sur Amazon que c'était à base de cire, je me suis dit, c'est moi qui se fait des idées. Mais non, les Markart sont vraiment à base d'huile. Donc, mystère résolu, les amis. Bon, donc ça, c'est fait. Ensuite, Prismacolor. Hein, je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous faire un dégradé. On les connaît toutes. On sait que ça se dégrade tout seul et j'ai pas de place, donc je vais le faire de l'autre côté. Mais bon, pour la vidéo, on va le faire ensemble. Les brutineurs. Pourquoi je dis toujours brutineurs? Pour moi, j'ai hâte d'arriver à ces crayons-là. Les Prismacolor 150 couleurs. Vous avez aussi les Prismacolor Cholor que vous pouvez trouver des... quelques teintes pastel dedans, mais bon, les chaleurs, vous avez que 60 couleurs. Donc, c'est sûr que ça va être assez limité parce que, bon, vous voyez, dans les 150, j'en ai pas trouvé énormément. Donc, je pense pas que dans les chaleurs, il y en a une tonne non plus. J'aurais dû regarder parce que je les ai, les chaleurs aussi. Mais bon, j'ai été avec ceux qu'on utilise le plus souvent. C'est rare qu'on les voit, les chaleurs. Sont super bien, sont super gros aussi, les chaleurs, 60 couleurs. Par contre, c'est juste que moi, je les trouve moins pigmentés. Donc, vu que j'ai les 150, je prends toujours ceux-là, même si j'ai les autres. Je pourrais les mélanger avec, mais bon. Je le fais pas.
Donc, vous voyez, hein, Prismacolor, là, c'est tellement gras que ça se mélange tout seul. On n'a pratiquement pas besoin de rien faire. Ça se fait tout seul. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, maintenant, on va regarder les luminances. Ça, c'est à peu près la même chose. Hein. Moi, je trouve que les luminances, c'est des crayons bien, bien gras qui se mélangent tout seul aussi. Pas trop, trop besoin de forcer. Super pigmenté. Le nuancier est trop, trop beau. Mais bon, hein, on dira tant mieux parce qu'ils sont très, très chers aussi. Donc, si on n'aurait pas eu un beau nuancier, pas pigmenté, qui se mélangeait pas bien, on n'aurait pas été content. Je sais que c'est pas toutes les gens qui ont cet avis-là sur les luminances. C'est pas tout le monde qui les aime. Il y en a qui disent qu'ils valent pas leur prix, mais moi, je suis pas d'accord. Je trouve que les luminances, c'est des super crayons, belle qualité, ils sont gros. Ils durent quand même assez longtemps aussi, parce que moi, ça fait quand même un bout que je les utilise. Puis, je trouve qu'ils diminuent pas mal moins vite, en tout cas, que certains crayons que j'ai. Donc, ouais. Mais bon. Ça fait partie de mes crayons préférés, donc c'est sûr que moi, je vais vous dire que c'est les meilleurs. Mais bon, ça dépend tout le temps des goûts. Donc, voilà pour les luminances. J'ai peut-être pas choisi les bonnes teintes. On va en faire un avec le bleu, tu sais. C'est sûr qu'ils demandent un petit peu plus de travail que les Prismacolor. Prismacolor, je pense que c'est ceux qui se mélangent le mieux dans tous les crayons que je connais. C'est vraiment... on n'a pratiquement pas besoin de rien faire, puis ça se mélange. Donc, vous voyez. Et il me semble bien que les luminances, c'est à base de cire, là. Je pense pas que c'est à base d'huile. Donc, voilà. C'est mieux, ce dégradé-là. Donc, voilà pour les luminances. Hein, il n'y en avait pas énormément non plus des couleurs pastel dedans. Mais ils ont quand même un nuancé assez particulier. Vous n'allez pas retrouver toutes leurs teintes dans les autres gammes. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, Prismacolor, c'est fait. Maintenant, on va regarder les Brut Fineur Macaron. Où est-ce que je les ai mis? Je les ai mis ici. Donc. Ah, j'ai passé les Black Widow. C'est pas grave. On fait les Brut Fineur Macaron avant. On va peut-être arrêter de toujours dire leur nom. Donc, on va commencer avec du mauve. Donc, vraiment, ils sont super heureux. J'avais envie là, d'avoir des 50 couleurs pastel, pas trop chères. Vraiment, ils sont géniales. J'espère qu'ils n'ont pas augmenté leur prix depuis le temps, depuis la sortie. Parce que des fois, j'ai remarqué que quand les gens en parlent beaucoup et qu'ils font beaucoup de ventes, ils ont tendance à augmenter leur prix. Mais je pense pas. Je pense qu'ils sont quand même restés à un prix assez raisonnable. Donc... Ben en plus, j'ai mis ça dans les Black Widow. Elle n'est pas mélangée, la fille, pas rien qu'un peu. Hein? Mais j'ai fait 3 autres vidéos avant. Donc, peut-être un peu normal. J'ai fini un vlog. J'ai tourné un colo test. Et fini une vidéo à Pimel. Donc, là, je suis rendue un petit peu plus de... plus capable de parler, tout simplement. Donc, vous voyez, les pas les Brut Fineur. Oui, Brut Fineur qui vont là, mais je me suis mélangée dans mes Black Widow. Hey, j'espère que vous allez comprendre quelque chose dans cette vidéo-là, parce que c'est une catastrophe. Mais bon, l'important, c'est que vous voyez les gammes, que vous comprenez un peu ce que je dis, parce que là, je suis vraiment pas sûre. Hein. Bon, fait que là, ça, ça va là, puis ça, qu'est-ce que je vais faire? Ça va en haut. Ça, c'était... Brut Fineur. Et ici, on va faire Black Widow. Donc, Black Widow aussi, c'est des super crayons. Un petit peu plus sec que les autres que je vous ai montrés. Mais bon, vous pouvez faire... On dirait que ça tire un peu moins le papier. Vous pouvez faire quand même pas mal de couches avec les Black Widow. Sûr, ça dépend toujours du papier, hein. Ça c'est ça, hein. On aurait dû faire ça avec de la musique tellement que je dis des bêtises. Donc là, hein, je m'applique pas trop. Je fais ça vite fait, mais pour que vous puissiez voir comment ils se mélangent ensemble. Et il me semble que les Black Widow sont base de cire aussi. Si je ne me trompe pas. Brut Fineur, eux, Brut Fineur, Macaron, c'était à base d'huile. Donc, voilà pour les Black Widow, mais je pense que hein, j'avais pas besoin. On est beaucoup, beaucoup à les avoir, beaucoup à les connaître. C'est pas des crayons inconnus du public.
Donc, ça, c'est fait. Maintenant, bon, les marqueurs, je vous les avais faits. Les collines, on les a faits. Les prismacolores, on les a faits. Donc, Holbein, je vous les ai faits. Maintenant, on va regarder les broutonnards carrés. Non, je l'ai faite, broutonnards carrés. Stedler, on l'a fait. On a-tu fait le tour? Il reste juste les pastels teintes. Donc, je vais pouvoir aller acheter des lettres pour être capable de faire des prochaines vidéos parce que j'arrive plus à parler. Jamais eu autant de misère, je pense, à faire une vidéo. Mais déjà arrivé là, de chercher mes mots, mais là, je sais pas. En plus, dans ma tête, c'était tout beau. J'avais dit, ah oui, ça va être le fun, tester les pastels, je vais pouvoir parler des crayons. Et non. OK, donc, pastel teint de Castel Art Supply. Vraiment super, ces crayons. En plus, ils sont beaux. Je les trouve beaux avec l'écriture blanche. C'est rare qu'on a ça sur nos crayons, des écritures blanches. Ah, oh, j'aurais dû regarder dans mes Phoenix Color, voir si on avait des petites teintes pastel. Je pense qu'avant de finir la vidéo, on va les regarder ensemble. Donc, voyez, hein, Castel Art, ça aussi, moi, c'est des crayons que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les Gold et les Castel Art Supply, les premiers, finalement, qui avaient sorti. Et, ben, les pastels, je les adore. Par contre, petit bémol pour leurs crayons métalliques, mais ça sera un prochain dossier parce que je veux vous faire aussi la vidéo des comparaisons de crayons métalliques qui s'offrent à nous. Quels sont les meilleurs, quels sont les plus brillants, qu'est-ce qui est offert à nous. Mais bon, ça sera dans une autre vidéo, là, on parle des pastels, hein. On s'embrouillera pas, on est déjà ensemble, oui, comme ça. Bon, les Phoenix, des crayons que vraiment j'adore. Et là, vous allez dire, t'as dit ça pour tous tes crayons. Oui, je sais. Mais si je les ai achetés, c'est parce que je les aimais. Je les ai achetés, je les ai gardés, c'est parce que je les aimais. Donc, on va regarder, est-ce qu'il y a des couleurs pastel dans ceux-là? Je suis sceptique. Parce qu'il me semble que j'avais pas remarqué qu'il y avait ça. Mais bon, on va regarder quand même. Parce que, bon, j'ai pas arrêté de vous en parler. Donc, si je regarde, j'aurais lui, qui serait couleur pastel. Celui-là, celui-là. Ah, ben, peut-être qu'on va en trouver, hein? Et là, ben, je vais les swatcher tout de suite, parce qu'après ça, je ne saurais plus dans quelle boîte qu'ils vont. Parce que je les ai laissés dans les boîtes et je ne veux pas les mélanger. Donc, ouais, on a une belle couleur pastel ici. On en a un autre ici. Ça va être dans la boîte noire pour celles qui les ont. Je sais qu'on a été plusieurs à les commander. On a un autre petit rose ici comme ça. Je pensais pas en trouver dans ceux-là, dans les Phoenix sans couleur, que j'arrivais pas à dire le mot. Donc, la boîte noire, on a trois couleurs pastel. Ensuite, si on regarde dans la bleue, je suis sûre qu'on en a trouvé. Peut-être le mauve, mais je suis pas convaincue. On va regarder. Est-ce qu'il pourrait... Ben, ouais, il pourrait ressembler à une couleur pastel parce que dans les Holbein, on en a une. Petite couleur comme ça. Regardez. Holbein. Bon, il est un petit peu plus foncé, mais quand même. Luminance, je vous en avais sorti une en plus comme ça. Bon, Prismacolor, non, c'est pas vraiment le même mauve. Dans les marque-cartes, j'avais sorti lui, mais vous voyez, lui, il est encore plus pastel. Brutinoir Macaron, vous voyez, lui, hein, il ressemble quand même un peu. Donc, ouais, on aurait celui-là qui pourrait être pastel. Sinon, peut-être lui. Un bleu un petit peu plus clair. Ouais. Je sais qu'on l'a souvent dans les couleurs, dans les kits de pastel, celui-là. Donc, ça serait pour la boîte bleue. On en a deux dedans. La boîte de jaune, ben, on aurait sûrement celui-là qui est pastel. On aurait celui-ci. Non, on a-tu le petit fameux orange? Moi, je l'aime bien, ce petit orange-là. J'adore quand les gammes, ils nous le mettent. Ouais, lui, on l'a dans les Holbein, donc on pourrait dire que c'est un couleur pastel. Donc, voilà pour lui dans les verts. Ah oui, on a celui-là qui fait pastel. C'est un petit peu plus pigmenté, hein? Là, je gratte un peu là, pour trouver du pastel parce que, bon, un peu comparé aux autres que je vous ai sortis, oui, on peut dire que c'est pastel, mais bon. On gratte. Donc, voilà pour les verts. Et si je regarde dans la boîte des rouges et roses, ben on a toujours le petit fameux rose ici. Couleur pastel. J'aime mieux lui, par contre, pour dire que c'est pastel. Celui-là, peut-être. Ouais. Petite couleur ici.
celle-là. Aussi. Donc, ouais, dans les phoniques sans couleur, on a... ça, c'était lui? Non, c'était lui. OK. Dans les phoniques sans couleur, on a quand même des petites couleurs pastel. Donc, ça, c'est bien. Et ben là, ceux-là, moi, c'est ceux-là que je vous parlais tout à l'heure que j'avais commandé sur Amazon Canada et que je pensais qu'il allait arriver plus vite parce que je les commandais là au lieu de sur AliExpress, mais non. Ça a pris le même nombre de temps. Mais bon, je suis super contente de ces crayons-là et je les aime tellement que je pense éventuellement m'acheter une gamme, pas une gamme, une boîte de surplus. Comme ça, ben, quand j'aurai un crayon qui est terminé, ben, je pourrai aller piger dans mes boîtes et vraiment ça, là. Et mes beaux, beaux crayons, c'est les plus beaux crayons que je possède. Bon, en parlant, parlant du design du crayon, ils sont super beaux. Mais de toute façon, hein, je vous avais fait la revue et en plus, il y avait même ma copine Mélissa qui les avait faites. Je sais que Colorfilla les a achetés, donc ouais, on a été plusieurs à les présenter. Donc ça, c'est Phonix. Et je pense que ça ne s'écrit pas comme ça, mais c'est pas grave, sans couleur. Et eux, ben, vous pouvez pas acheter juste les couleurs pastel, hein, ça va être tout ensemble. Donc voilà les amis, ben, j'espère que ça a été une vidéo que vous a intéressé. C'est pas le genre de vidéo que j'ai déjà vue. Si ça a déjà été fait, ben, je suis désolée, je l'avais pas vue. Mais moi, j'avais envie de le faire, ne serait-ce que pour moi, regarder ce que j'avais comme option... en tant que couleur pastel. Et si j'en aurais une à vous conseiller dans tout ce que je vous ai montré, bon, c'est sûr que si vous avez déjà les gammes où est-ce que j'ai été pigée, ça peut aider, mais des fois, on les a pas toutes. Hein. Comme on regarde les collines, on a ça. Est-ce que vous voyez, je suis dans le cadre? Oui. On a ça, mais on n'a pas tout. On n'a pas ce genre de teinte-là ou un genre de petit rose comme ça. Donc, pastel teinte. Pour les Castellart. Mais si j'en ai une à vous recommander dans tout ce que j'ai, là, je dirais mes préférés, ça serait les Brut Funeur 50 Macarons. Pourquoi? Parce qu'ils ressemblent énormément aux Holbein. Et moi, ben, j'adore les Holbein. Et ils sont pas chers. Ils sont gras. Ils sont bien pigmentés. Le crayon est beau. Ouais. Donc, ça serait les Brut Funeur Macarons. Sinon, après, ben, j'irai probablement avec les Castellart, Pastel Teint, parce que je les ai beaucoup aimés. Et, ben, bien sûr, les Holbein, mais bon, comme je vous dis, c'est très difficile de les trouver. Donc, même les Staedtler aussi, qui sont super bien, mais vous avez juste 12 couleurs. Donc, voilà pour cette vidéo. Je vous l'avais dit que j'allais la faire le mois passé, j'avais pas eu le temps. Donc, c'est fait. J'espère que ça a pu vous éclairer parce que je sais qu'il y a des gens qui attendaient après moi pour s'acheter des crayons pastel et ben, j'espère que j'ai pu vous aider un petit peu. Si jamais vous avez d'autres questions par rapport aux crayons, aux gammes, ben, n'hésitez pas à venir me le demander en commentaire. Je vais faire mon possible pour vous répondre le plus rapidement possible. Sinon, vous pouvez venir me parler soit en privé sur Messenger ou sur Instagram si vous n'avez pas envie d'attendre parce que des fois, sur YouTube, ça me prend du temps. Mais bon, sur Messenger, je réponds quand même assez rapidement. Sinon, vous pouvez toujours aussi poser des questions dans la banque Colo d'Azou, hein, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook. Il y a toujours quelqu'un pour vous aider, toujours quelqu'un pour vous répondre. On est vraiment beaucoup maintenant dans la bande et ben ça faisait, j'en avais même pas parlé en plus. Donc vraiment, un gros merci à tous ceux qui rejoignent la banque Colo d'Azou sur Facebook, mon groupe de coloriage. Vraiment, ça me fait super plaisir et c'est un groupe bienveillant. Bienveillant, pas bienveillant. J'arrive pas à dire ce mot-là. Bienveillant, oui. Et on voit toutes sortes de beaux colos toute la journée. Il y a ma copine Luna qui offre des défis. Moi aussi, je mets tous mes défis là. Non, vraiment un super, super groupe. Donc, vraiment, merci à tout le monde. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. J'essaierai de vous mettre tout en barre d'infos, tout ce que je vous ai montré. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Vous êtes habitués, je répète tout le temps 100 fois la même affaire. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre, bien sûr, dans la banque Colo d'Azou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je suis en train de serrer mes crayons et je me dis, mais tu t'es laissé une note pour dire aux gens combien il y avait de Black Widow en tout. Et tu ne l'as pas dit. Je les ai comptés, il y en a 180, les amis. Donc voilà, là c'est vrai, je vous laisse tranquille.